Studio 7L, deuxième partie. Et pour entamer cette deuxième partie, on en parlait tout à l'heure dans le sommaire, un phénomène hein, qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui continue d'exploser. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vraiment le manga, cette BD japonaise. Et pour en parler avec nous, Mathieu et Virginie Ducrot de la librairie Ikoku à Montpellier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous nous avez rejoints sur le plateau. Aujourd'hui, vous allez nous parler des différentes catégories. Et en plus, c'est la troisième fois que vous venez, mais on aura la chance désormais de vous retrouver chaque semaine parmi nous. Voilà, exactement. Alors, Virginie, comment c'est ? Voilà. En fait, on a un petit peu réfléchi et ce qui était important avant, parce que dans les prochaines semaines, nous, en fait, on expliquera un petit peu les différents coups de cœur, différentes sorties au niveau manga qui nous ont plu et qui nous ont interpellés. Et en fait, pour la première, il était important quand même de présenter différentes catégories parce que c'est un des principes fondamentaux en fait du manga et qui est vraiment fait partie du secret de la réussite du manga. Mmh. Le manga qui explose, je le disais, mais ouais. Qui arrivait en quelle année à peu près en France ? Là, si on fait un petit historique, ça va être un peu long, mais en gros, ça a commencé en manga papier comme ça au début des années 90, avec des éditeurs comme Glénat qui ont commencé à sortir Dragon Ball, Akira, et voilà. Mais le gros boom a commencé au début des années 2000, en fait. Alors, vous êtes venu avec des bouquins, hein, on peut le dire comme ça. Présentez-nous un petit peu ce que vous avez et puis parlez-nous, décrivez voilà. Un petit peu. Ben en fait, donc, le manga se présente, il y a donc, comme on vient de le dire, différentes catégories. Et c'est vrai que c'est ça qui fait vraiment la particularité, parce que du coup, au final, chacun y trouve un petit peu son style, chacun y trouve un petit peu ses envies aussi de ce qu'on a envie de lire. Et donc, il y a trois principaux styles, en fait, on va dire. Il y en a après plein d'autres catégories, mais trois principaux, le shoujo, le shonen et le seinen. Donc là, on va présenter d'abord le shoujo, parce que je suis une fille et que le shoujo, c'est pour les filles. Donc, je serai la spécialiste shoujo, parce que Mathieu a beau essayer, mais il n'y arrive pas. Donc, voilà. Donc, le shoujo, c'est vraiment un manga qui est fait pour les filles et par les filles. Donc, la plupart du temps, c'est tout le temps des mangas japonaises qui font du shoujo. Peut-être nous montrer un petit peu la... Ouais. Voilà. Je ne sais pas... Oui, c'est, comme ça. C'est voilà. Care First Love. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai choisi Care First Love parce que c'est le summum au niveau, c'est-à-dire histoire d'amour, le premier amour d'une jeune fille qui veut pas croire que le beau garçon du lycée est amoureux d'elle. Et en fait, pendant 10 tomes, on va suivre un petit peu leur histoire d'amour. Donc oui, pour les garçons, ça paraît un peu bizarre, mais pour les filles, ça marche très très bien. Et après, voilà, il y a différentes façons de faire du shoujo, c'est-à-dire que la base est celle-là, mais après, il va y en avoir. On traite amour. Façons. Amour. Quels sont les autres thèmes un peu enfin, ben c'est principalement l'amour. D'accord. Et après, il va y avoir combiné des aventures, il va y avoir combiné de la magie, il va y avoir combiné. D'accord. Et après, il y aura des mangas qui seront plus shoujo pour femmes actives, pour femmes de 30 ans, pour jeunes filles de 10 ans. Donc, en fait, ça dépend après. Mais la base est quand même une base shoujo. C'est quand même toujours avec des beaux garçons. D'accord. Première partie, première catégorie shoujo. Shoujo. Deuxième catégorie. Shonen. Mathieu. Deuxième catégorie, le shonen. Donc là, on se retrouve avec des mangas qui sont dessinés plus aux adolescents, généralement un public plus jeune. 14-18 sera... Ouais, 17. même plus tôt encore, ça peut commencer à 8 ans avec Dragon Ball par exemple. Donc généralement c'est des quêtes initiatiques, un personnage qui au départ va trouver des pouvoirs ou va rencontrer quelqu'un qui va lui donner des pouvoirs et il va s'associer avec une bande d'amis qui vont lui petit à petit vivre des aventures diverses et variées. Donc on retrouve ce style d'histoire dans des Naruto qui est vraiment le gros succès du moment. En fait, il y a eu Dragon Ball à une certaine époque. C'est ça, Dragon Ball, c'est ce que je voulais vous dire. Mm-hmm. On s'imaginait pas, mais c'était déjà du manga. C'est du manga. C'est du manga. Les dessins animés, de toute façon, qu'on a connus quand on était jeunes, qui étaient Goldorak et les manga autres. Aussi. C'est du manga au départ. D'accord. On les a connus sous forme de dessins animés, sortis au en noir et blanc comme les mangas qui sortent aujourd'hui. Donc c'est vrai que vous pouvez peut-être nous montrer la couverture de celui-ci. Voilà, alors celui-là c'est le Naruto. Il y a One Piece aussi qui est du shonen. Donc là, d'accord. Par exemple, One Piece ça va être l'histoire d'un jeune garçon qui va
partir à la recherche d'un fameux trésor qui a été caché par le plan des pirates et qui va prendre tout un équipage d'amis. Et au fur et à mesure, ils vont vivre plein d'aventures. Et voilà, c'est très divertissant, c'est très bien fait parce qu'on est vraiment pris par les personnages et par toute la trame de l'histoire. Et c'est vrai que c'est très attachant. En plus, Oda, qui est l'auteur de One Piece par exemple, met vraiment beaucoup d'humour dans ses interchapitres. Et enfin voilà, c'est vraiment un gros plaisir de lecture. Avant de parler de la troisième catégorie, hein, puisqu'on en avait trois, on le verra après, la tectonique, hein, c'est notre second sujet, c'est un peu une communauté, on vous confirmerait, hein. Mais est-ce que les mangas, c'est pareil, c'est une communauté, c'est vraiment, il y a des codes d'attitude De plus en plus, c'est vrai que des codes vestimentaires de plus en plus, parce qu'il y a l'influence... Quoi, par exemple? Gothic Lolita, ouais, qui sont des jeunes filles qui ont pris un style japonais, qui en fait au départ les japonaises ont pris un style européen, qui ont mélangé à la fois un côté un peu punk et à la fois un côté 18e, 19e, avec plein de jupes, avec des froufrous et des choses comme ça. Et donc ce style est revenu en France, et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Mais ça fait partie, comme on disait, d'une catégorie. En fait, c'est vrai que c'est quand même très vaste. Le manga, en fait, c'est pour tout âge. Donc c'est sûr qu'au niveau des adolescents, parce que en général, c'est plutôt au niveau de l'adolescence, en fait, qu'on cherche son style, et que le style manga ou Gothic Lolita, ça peut tout à fait. Mais où s'arrête l'adolescence ? C'est ça. Et de plus en plus tard, en plus. Voilà. La preuve. On peut rappeler vos âges ? 34. Et 32. Ah, des grands ados. C'est ça. On écoute encore tous les jours et ça c'est bien. Mais justement, on va peut-être parler de la troisième catégorie. Alors la troisième catégorie, donc là c'est les seinen. Donc le seinen, c'est des récits là par contre plus adultes. Ça touche vraiment un public. Il y a pour les grands aussi. Ouais, il y a pour les grands. Donc là ça va être des séries noires, ça va être des choses comme ça où il y a ça peut être des fois un petit peu violent. Enfin, ça englobe un public relativement large, mais qui va être vraiment plus sur des scénarios, plus sur un côté graphique un petit peu différent, avec un trait relativement noir. Ou enfin c'est très varié, c'est vraiment très très large. Il y a même en fait du en seinen du manga d'auteur en fait, et là c'est vraiment ça peut être très varié, parce qu'il y a des choses au niveau du graphisme, etc., où on s'éloigne même au niveau vous auriez un titre à... ça peut aller de Astral Project, voilà, qui est un titre qui vient de sortir et qui est vraiment de grande qualité par son récit. C'est par le scénariste qui avait fait Old Boy, le film qui a eu dont a été tiré le manga, dont le manga a été tiré plutôt, et ça c'est vraiment une très très belle histoire. On est en pleine projection astrale, un jeune garçon qui va perdre sa sœur et qui va découvrir un CD audio gravé, et quand il écoute la première fois ce CD audio, en fait il va sortir de son corps et se retrouver dans un autre univers et partir dans une enquête justement. Et... ou alors ce genre Taniguchi, qui est lui, un et ciel en fait, radieux. Voilà, un ciel radieux. Il en a fait beaucoup d'autres. C'est vrai que Casterman en fait a fait vraiment le pont entre la BD européenne et le manga. Et c'est vrai que Taniguchi est en fait un japonais qui a été vraiment influencé et qui adore la franco-belge et la BD européenne. Et du coup, au niveau du style, on est voilà, ceux qui veulent se mettre au manga, en fait, c'est pour ça qu'on l'a pris. Donc c'est du seinen plus adulte au niveau des histoires. Là, c'est l'histoire en fait d'une collision entre un jeune homme et un monsieur en fait, voilà exactement, et en fait il y en a un qui va mourir et l'autre va rentrer dans le corps du jeune en fait. Donc voilà, au niveau de l'histoire c'est assez fabuleux. Et pour finir avec vous deux, vous travaillez donc en librairie à Montpellier. Ouais. J'imagine que vous voyez défiler des clients dans le magasin, justement pour au rayon manga. Et qu'est-ce qu'elle vous inspire un petit peu cette clientèle? Ouais, c'est une clientèle qui est en règle générale relativement jeune. Donc ce qui a le plus, c'est, d'ailleurs on le verra peut-être ce soir, c'est l'énergie. La créativité, et c'est vraiment surtout ça, c'est passion. L'enthousiasme. Ouais. Et la façon dont ils sont ouverts à vraiment beaucoup de choses,
Ça, c'est vraiment très agréable Ce de que je trouve travailler avec eux. important, c'est que vraiment, en fait, le manga, du fait qu'il y a tous les âges, ça crée des liens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai proposé à des parents de lire du Taniguchi, par exemple. Et aujourd'hui, les enfants ou les ados qui arrivent en disant, bah, mon père ou ma mère, ils lisent du manga aussi. Et en fait, c'est vraiment ce lien qui est tissé. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est une victoire. Exactement. Bon, c'est pas mal, en tous les cas. Exactement. Merci, en tout cas, Virginie et Mathieu Ducrot. Et on vous retrouvera donc la semaine prochaine pour parler de manga à nouveau. Et nos coups de cœur. Et vos coups de cœur, évidemment. On les espère nombreux d'ailleurs. Nous allons ouvrir maintenant le dernier sujet de cette émission. Alors, si le manga est un phénomène pas tout à fait nouveau, mais toujours en pleine explosion en France et dans le reste du monde, un phénomène incroyable.